les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le Karen Coffee Luxembourg. Aujourd'hui, là, cette vidéo, c'est le départ du rassemblement. Route à 90 km/h, il y a déjà beaucoup de carspotters qui sont présents, donc ça s'annonce quand même être une vidéo comme vous les aimez, avec des bonnes accélérations. C'est parti. Et on a les amis de Tolux Concept qui arrivent avec la Huracan Evo et la 812 GTS. Les frérots. Et la jeune 812. Pardon. On a la SL63MG qui avait dans le rassemblement avec tous les autocollants incompréhensibles S-Line, M-Performance et compagnie. On va voir s'il va nous faire une petite accélération. On a une M5 qui suit. Ça commence à bouger petit à petit. M5. Oula, il y a un rasso en fait qui arrive là, j'avais pas vu. Turbo S. Sur les gamins, on a les gamins, je vous ai appelé, excusez-moi, dans l'excitation. On a Carrera GT qui arrive. Et là, par contre, de l'autre côté, j'ai repéré, il y a une 812. Waouh, la couleur de folie. Regardez-moi la config, elle est ouf. Putain, incroyable la config. Sublime. Espèce de champagne là. Beau. Donc là, 918 Carrera GT, on a le gros combo qui quitte le Karen Coffee. Ta. Les gros. Là, c'est la dingue. Mais ils sont arrivés par là-bas, ils vont partir par là-bas. Ouais, je crois qu'ils partent là. Là, les amis, il se passe quelque chose. De quel côté ils vont partir. Oh, écoutez cette sonorité, les amis. C'est beau. Non, elle fait pas demi-tour, elle se casse tout court. Ouais. 600 LT qui part. Chaud là, 45 là. La M140, pardon. GT Arnismo, pas de plaque à l'avant. Vas-y ta tête gros, putain. Ça c'est beau les amis, SLS AMG. Ouf, ça a failli taper avec le juke. Bon, en même temps, voilà, vidéo des départs, mais je vous filme aussi encore des arrivées. Parce qu'en fait, c'est un Karen Coffee qui dure très longtemps. Donc voilà, il y en a qui partent, il y en a qui viennent. C'est quoi ça? Bon. Le tuning. Turbo. Je crois qu'elle fait du bruit, celle-là. Casse. Ah,
l'air de souffler. Hein. Et là, on a une config. Pardon. La config là, de cette M4, elle est oufissime. Oh, le beau combo TTRS et Porsche Boxster Spider. La config de la Spider, elle est ouf. Allez, on commence par la TTRS. Ça chante bien. Et la Boxster de l'autre côté. Ça chante un peu. R8 de tout à l'heure que je vous ai filmé dans le premier vlog était assez posée. Elle est vraiment fissime. Et GT3 juste derrière. Ils ont pas l'air d'aller du même côté. On va voir ça. Non, la R8 c'est par là-haut. Et la GT3 c'est par ici. Encore des voitures qui arrivent. Salut l'ami, ça va? Regardez-moi ça. Magnifique, magnifique. SLS, ça va, SLS Final Edition. Oufissime. 812 qui suit. C'est le poteau Dave avec le poteau Gauthier. Joli convoi. McLaren 720S. Turismo et 720S encore et plein de McLaren d'ailleurs en fait qui suivent. On commence pour la Gran Turismo. 720S et 600 LT. Ah, ils sont timides. C'est vraiment le club en fait de tout à l'heure des Hollandais que je vous ai filmé dans la première vidéo. Donc il y a toutes les McLaren qui arrivent d'un coup là. Continue. Oh, other McLaren, this. Show. En fait, je suis trop mal positionné. En fait, c'est trop galère. Une Rolls, là il y a une M4 derrière moi, c'est chaud parce que ça part dans tous les sens. Huracan Performante qui arrive d'un côté, AMG GTR Pro qui sort de l'autre. Je vais vous donner le tournis dans cette vidéo, mais pour le moment il y a un bouchon. Donc je vais vous filmer, je sais pas, je panique, allez. Je reste sur la MG GT puisqu'elle part, GTR Pro, et on aura en combo en plus l'autre là, regardez. Et la Performante, vraiment cool la spec, noir satin avec les jantes dorées. La perf qui revient. Oh, regardez-moi le monstre. S'il a pas 1000 chevaux lui. Burnout. Mais pardon. Pardon la violence. Wow, le 4x4 il a mérité le traditionnel pardon de GE Supercar. C'est le premier pardon que je fais de la vidéo. Oh la violence. Bon sinon allez, on reprend nos esprits. GT3 et Lotus.
Oh, il m'a choqué l'autre là-bas. Julia Quadrifoglio. Pardon lui. Bon là on a une M3 pas du tout d'origine là. Celui part pas en burn franchement. Burn or not burn? Burn to be your life. Burn to be your... Oh putain. Là il y a burn to be your life. Ça commence à chauffer dans le rassemblement, on entend des petits rupteurs. Oups. Attention, est-ce qu'il est chaud? Oui. Oui monsieur, un bon point, un bon point. Et lui avec la M6? Chelou le bruit. Grosse ricken là. Ouais. Bono, bono. On la route, bravo. Bordel! Burnout, bro! Burnout! TMG en plus! Jambes de bâtard. Joli. Petite corvette en bonus. Ah, R8 unicorn. Faire un burn lui, j'ai chaud là. SVJ les amis derrière, la C63 là, les vénères. S'il nous fait pas un beau départ lui. Timide, timide. SVJ qui va de l'autre côté avec madame au volant. Petite bande grise, elle est vraiment cool celle-là, j'aime bien cette spec. Ça va? Ça va tranquille? Oh, 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 la pété! Launch control, bro! Stop, 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 stop! R8 V10. Mais la TT avant, les gars, elle était chaude! Les amis, pour le moment, le meilleur départ de cette vidéo, c'est la TT le meilleur départ, il n'y a rien à dire. Salut les casse moteurs, ça va? Moi je disais la TT, la TTRS, franchement, le meilleur départ du rassemblement pour le moment, petit pouce bleu. Je crois qu'il y a... Oui.
Monsieur, c'est validé. Oh là, c'est la première ligne si on veut se faire shooter s'il loue son départ. Ouais. On est bien là. Ici repose Driss et Patrick. Et 2BG. Ce qui va nous faire un beau départ. SLS AMG. Et lui, il va mourir avant la fin du rassemblement. Il est toujours au milieu de la route. Sinon, tu peux te mettre comme tout le monde derrière la ligne. On aura tous la même vidéo. Mais non, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui arrive là? Subaru RS6. Soubi Soubi. Et lui qui va se faire péter. Ouais, j'ai une magnifique vue en plus là. Bon, allez, je vais bouger parce qu'il va m'énerver. Mais non, mais gros, il fait nappe. Mais oui, Pathfinder, le car spotter, le vrai. Dédicace. Dédicace, t-shirt Grand T Supercar, on est là. Car Santo, le vrai, il est là. Aïe aïe aïe. Toujours, toujours. Ça, c'est magnifique, les amis. Morgan Aero 8. Très beau, très très classe. Très poli en plus. Ils ont dit merci. Bah, quelques Ferrari qui arrivent. 348 F8, on a même une Modena qui arrive tout là-bas. De l'américaine aussi juste derrière. Le bouchon de Ferrari. Regardez ce plan là. Vraiment cool. Pardon lui. La bavure. Oh. Magnifique cette Boxster Spider là. En ce bleu. Joli combo avec la Mustang et même la M2 derrière. La config est cool. Sympa comme tout. Mustang, Mach 1, M2 qui est là-bas, en fait je l'ai perdu. Et là, SLS. Il était chaud, mais je crois qu'on a entendu que la mobilette qui est passée. Très sympa la config. Posé. Oh, le Bentayga il a dit je passe. Trois compétitions. J'aime bien comme ça en gris là. Ça sent le bon départ ça. Ça sent le bon départ ça. C'était pas prévu ça. C'était pas prévu. Pas très bien. Galardo full carbone. Wow. Joli. M3 suivi d'une M3 avec une M2 et encore une M3 derrière. Des voitures qui passent random en fait. Il est même pas au rasso, c'est juste qu'il passe par là. Ça c'est beau ça. Oh putain, il est revenu lui devant moi là. Respect l'auto. Pardon. Et là on a encore une M3 et encore lui. Mais dès que je me retourne, il revient devant moi celui-là, il est incroyable. C63 à la S. Pardon le bruit. Hein? Ah très bien. Pardon. Oh c'est quoi ce kit là?
Ah, c'est une selle 63 MG, mais les jantes sont très cheloues. Par contre, elle fait un bruit méchant, elle. Est-ce qu'on en parle des pneus de Dragster, là? C'est quoi des pneus, frérot? Mais gros, il a combien de chevaux, lui? 1000 ou quoi? Bah, vu les étriers devant, non. Mais je filme quand même, ça m'intrigue. Cette série 1 avec un kit de 1M, là, elle m'intrigue beaucoup, quand même. Regardez-moi les pneus, s'il vous plaît. C'est nimpe. Elle a l'air vénère, la RS7, derrière, par contre. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va faire une bavure ou quoi? Ah ouais, il y a des chevaux là-dedans, putain. Et là, RS7, là ça filme à l'intérieur, donc à mon avis ça va taper une bonne accélération. Ils sont assez chauds aujourd'hui, les amis. Hein. Seul problème, c'est qu'il y a la circulation. Je sais pas si la C63, est-ce qui est passée, elle va faire demi-tour parce qu'elle faisait un bruit de fou. Allez, il laisse passer. Par contre, je suis très mal placé. En plus, elle fait un boucan. Magnifique. Elle est sublime, cette configuration. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça commence à partir en tuning, là. Hein. Là, ça sent le crash bientôt. Hein. Pardon? Mais pardon? Le top man. Et la Miyamori. Par contre, il y a du lourd qui arrive, là. Hein. Evora 410 GT. 620R juste derrière. McLaren 620R qui va partir de l'autre côté, donc je vais traverser à l'arrache. Allez hop, je me mets en position sans gêner trop de monde. Ah bah il y a Crazy Frog là qui, putain, il fait chier lui. J'ai de me mettre au milieu de la route. F1 édition 775 LT et Crazy Frog. Fouah, le chiant lui. On a le G63 des enfers qui repasse. Est-ce qu'il va lever? Mais pardon, comment il conduit lui? Ultima est suivi Aventador SVJ. Bon, on va dire qu'elle était neuve, l'auto, pardon. SVJ. GT8, le bordel! Ça enchaîne, M4 GTS, DBS, Tagueyer Edison. Oh putain! STO! Bizarre! Oh, c'était chaud! La config oufissime de la M3. E63 MG Break. Rentech. Zéro bruit, surprenant. Cayman GT4. Huracan STO qui repasse. Quelle tuerie! Mm-hmm.
petit départ de Mustang, en général on sait comment ça se termine au rassemblement. Je suis pas bien placé. C'est bon, là techniquement je suis sauvé. Ça part en concours de raving. On a l'air chaud avec son R8. Ce qui va de lui, je pense qu'il va nous faire un beau départ. Launch bro. Putain, elle hurle bien. Oh, c'est quoi tout ça? Encore lui, bordel. Mais il est interminable. Par contre, on est de plus en plus sur la route. Mais non, pas lui. Très vénère là cette E63 avec les petites jambes BBS qui vont bien. Bon, par contre, s'il va à gauche, il est pas prêt de partir. Ah si, ça y est. Bon bah il va à droite en fait. Vraiment pas mal. Chaud. Tiens bro. M6. Coucan Urus. Diablo, ouais bien joué, c'est pour ça que t'as dit Diablo en fait, je viens de réagir. Donc Urus, mon Urus, sympa, allez Diablo. Aventador SV que je l'ai entendu de loin. Ouais, tu fais comme tout le monde hein. Donc là on est au milieu de la route et là tout le monde va aller sur la SVJ, regardez. SV monsieur. SV pardon. Tout le monde sur la SV là. MPX Collector. Rien à dire, c'est quand même mieux que tu laisses le. Pardon, ça, c'est quoi là-bas? Ah, c'est Jean-Michel Mazda. Attends, je suis sur la route, frérot. On se pousse quand même. Bah, les gars, c'est très compliqué de vous filmer ça. Hein. Très, très compliqué. Beaucoup de monde. Faut qu'il parte à droite. Là, il va snapper. Carspotter, on n'a rien vu. Turbo, très très chaud. J'étais 3 Turing. 6 avec un bon V10. Échappement pas d'origine. Il va de quel côté le Bosch là? On dérange un peu, mais comme tout le monde. On est vraiment en plein milieu là. Vraiment. Lui, il y a Crazy Frog là qui est revenu. Raving bro, raving bro. Top, 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 top. Putain. C'est bon. Wow, camping car. 458 qui s'ouvre. Qui suit. Qui s'ouvre, waouh. Mais c'est très compliqué. Je vais me mettre en grand angle parce que les gars, c'est trop compliqué là à filmer. Beaucoup de monde. 458 avec une spec un peu différente. Des jantes dorées. Un petit toutou dedans. Elle est petite, petite chine, putain. Bon, vous m'enverrez vos vidéos parce que j'ai rien vu. Gallardo qui pop. Et la SV qui revient. Voilà, là on l'a bien eu. Et du coup, McLaren MP4. On en voit de moins en moins des MP4. Petite Mustang. Gaz, 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 Ginette. C'est faux. Il y a une bavure. Frérot, t'es au milieu de la route. Allô. C'est Christian, bro. Yeah, wow. Bon allez, il est en place au milieu de la route du coup, on est bien là, je suis bien placé normalement. Boxster Spider, chaud,
SLS Final Edition. Lui qui va se faire écraser. Il est incompréhensible. Ça, c'est la honte du car spotting. Je le dis vraiment, les amis. Hein. Et on voit rien. Oh putain, t'es mort. GT3, il est en place au milieu de la route. CL63 avec les jambes de bâtard là. Beau camping-car, monsieur. Beau camping-car, allez. Allez, je fais comme l'autre, regarde. Ah, ça devient n'importe quoi. Allez, faut que tu gères, il y a trop de monde là. Vire tout le monde. Vire tout le monde, bordel. Ça marche. Gaz, 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 bro. Celle-là, 355. Jolie en noir. R8 V10. Qui fait des revs. Une R8 d'enfer qui fait un bruit. Oh le bordel! Launch control, bro! Oh, il m'a défoncé les oreilles! GT2 RS rouge. Ça aussi, voiture qui passe en mode random. Super. Beau pull. Très violente qui revient, les amis. Oh, le bruit qu'elle fait. Les amis, ici s'achève le deuxième vlog sur le Karen Coffee. J'espère que les accélérations vous auront plu. J'ai essayé de filmer vraiment comme je pouvais, il y avait beaucoup de monde, un peu ambiance entre guillemets top marque à l'ancienne, on va dire ça comme ça, donc c'était quand même plutôt sympa. On a eu quelques belles accélérations. Dites-moi en commentaire laquelle accélération vous avez préférée. Pouce bleu, abonnez-vous si toujours pas fait, et ciao.